Dieu, mon ami. Ah oui, dis donc. Jingle, on n'a même pas un jingle pour les objets de silence. Je fasse un tour de magie. Oui, ça fait un petit peu mentaliste également. Ouais, vous nous présentez ce que c'est que ça? Oui, c'est une bouteille. Merde, bouteille. Ça n'a rien à voir avec l'objet. Voilà. Alors, attention, vous êtes prêts? Question déjà. Oui. En pourcentage, combien de Français ont mal au dos, à peu près? Allez-y. 90%. Un peu moins. Non, ouais, 80%. Je dirais 70. 67%. 70%. Il a vu. Regarde, c'est la fiche. Il a vu l'affiche. Il a vu l'affiche. Il a tout déglingué. Ah non, c'est vrai, j'avais pas vu. 67 a dit Ahmed. Ahmed a dit 67%. 70 et 70. 70. Ahmed, t'as mal au dos? Là, pour l'instant, non, ça va. Non, mais en temps normal. Des fois, ouais, pas mal. Roselyne? Jamais. Jamais, Roselyne, c'est incroyable. Vous savez ce qu'elle a comme technique, Roselyne? Elle se tient droite. C'est vrai. C'est ça, ouais, c'est vrai. Rien à voir avec la politique. Elle se tient droite, Roselyne. Bah non, bah. Elle tient droite, et si on se tenait droit, on résoudrait 80% des problèmes de mal de dos. Oui. Et donc, j'ai pour vous. Alors, le producteur m'a dit, Gilles, essaye de te foutre à poil sur le plateau. Ouais. Okay. J'ai pour vous le t-shirt anti-mal de dos. Okay. Alors, on constate que le mec est pas mal, quand même. Il est un peu plus beau que Arthus. Attends, on va tester. Ah, vous mettez aussi ça, Arthus? Alors, c'est un t-shirt. Mais Gilles, vous êtes super beau, mec. Je vous en prie, c'est incroyable. J'ai fait exprès. J'ai dit, tiens, je vais présenter le t-shirt. Ça, c'est le t-shirt. Alors, le t-shirt anti-mal de dos. C'est... Ouais, je vais te faire un coup de main. Je suis pas sûr que ça va très bien. Ça va très bien. Oh. Et je pense que c'est pas ta taille, à mon avis. Alors, allez-y. Ouais. Alors. Merci. Très bien. Parfait. Gilles, alors attends, il vous reste une minute pour nous. Oui, voilà. Donc c'est un truc très sérieux. Ça te renforce les lombaires. Ouais. Ce qu'on appelle ça comment? Attendez, excusez-moi. Lordose lombaire. Alors, c'est ça. Ouais. Lordose lombaire, plus communément appelé. Le haut du cul. Ouais, hein. Est-ce qu'il a un t-shirt de spécial? Alors il te pousse à te faire une belle cambrure que tu as déjà, Ahmed. Je te connais très bien. Ouais. Et puis il t'ouvre la cage thoracique. Filles, d'accord. Ah moi il me l'ouvre bien la cage thoracique. Et en quoi c'est vraiment c'est comment ça marche? Et comment ça marche? Ça te pousse à te tenir droit, tout simplement. Hop, clac, voilà. D'accord. Et est-ce que c'est efficace? Non. Et combien ça coûte? Alors ça coûte 103 euros. Ah quand même. Ah, ouais. Ma petite Marie, 103 euros. Ça. Oui, non, mais ça a été étudié par deux ingénieurs français. C'est un produit français, c'est vachement bien. Ouais. Qui s'appellent, je vais retrouver leur nom, Quentin Perraudot et Alexis Hucot. On les embrasse. Voilà, deux. Ouais. On leur fait un petit bisou. Ouais. Non, ça a été testé cliniquement. C'est vraiment un. Voilà, c'est. Écoutez, je crois qu'on est tous convaincus par votre objet, mon cher Gilles. Mais oui. On peut le dire. Mais oui. Surtout, merci beaucoup.